Bonjour, ici votre chaîne d'information 1224. Je m'ennuie à mourir, donc je suis venu faire un micro documentaire pour vous instruire sur la vie animale des fourmis. Ici, nous avons une myriade de fourmis rouges. Vous voyez, tout ça sont des fourmis, hein, grimpant sur un arbre. Je ne sais même pas comment on appelle cet arbre. Bon, c'est une école publique là. Et ces fourmis ont immobilisé un insecte. Je ne sais pas comment on appelle cet insecte. Mais vous voyez, elles sont là, juste en train de faire partir cet insecte dans leur direction. Vous voyez, il y a eu des centaines de fourmis juste pour immobiliser cet insecte là. Mais comme les fourmis ici, hein, comme je suis de nature paresseux et partisan du moindre effort, je vais aider l'insecte à s'échapper. On va voir ce qui va se passer, hein. Tout ça, c'est la science, hein. Voilà. Bon. Ouais, elle n'en demande pas, hein. Elle n'en demande pas. Oh, putain. Les fourmis. Elle tire ma pêche. C'est pas croyable. Oh, putain. Donc, je vais chercher quelque chose de plus. De plus. Voilà. Cette feuille du manguier, par exemple, fera peut-être la fête. Eh, hey, monte sur moi. Attendez. Voilà. Putain. J'aide cet insecte. Je ne sais pas comment on l'appelle, hein. Oh, putain. Elle long. Putain. Aïe. Ok. Tout ça, c'est pour la science, hein. Je souffre pour vous. Voilà. Voilà. L'insecte se débat, mais il y a encore une dizaine de fourmis qui. Voilà. Oh. Attends, quoi, je suis même. Mais il y en a partout. Vous voyez. Tout le coin est rempli de fourmis. Qui grimpent sur moi à l'occasion. Voilà. Donc, j'ai déjà dans cet insecte, hein, dont le nom m'échappe. Voilà. Je l'aide à se débarrasser de ces. De ses. Elle se débat comme ça. Elle ne veut pas forcément manger. Pourquoi elle fait ça? Voilà. Néanmoins, j'ai l'impression que même avec quelques fous. Aïe! Attends. C'est réel? Bon, ok. Après. J'ai l'impression que même avec quelques fourmis seulement, l'insecte n'arrive même pas. Ah oui. Aïe. Attends. Bon. 2h24, va. Attends. Va. Ah. Voilà. Quittez-elle. Voilà. Elles ont attrapé les antennes. C'est bizarre. Même quand j'en ai une fourmi, elle court pour revenir. Pendant qu'elles sont équipées d'un GPS. Utiliser ma main gauche et utiliser ma main droite maintenant. Yeah. Elle ne lâche même pas. Vraiment. Voilà. Elle ne lâche pas. Comment ça pourrait dire cette pauvre insecte qui peut-être a laissé une famille à la maison. Hein? Sa femme l'attend actuellement pour manger, les enfants l'attendent, et sa fourmi. Voilà. Je
peut-être encore faire pour nous. Je pense que mon pari, c'est la tenue. Arrêtez de me mordre là. D'accord, je suis votre prof. Bon, là c'est pas trop professionnel, mais voilà. Je suis un scientifique en herbe. J'imagine la douleur. En train de mordre tes pattes, tes mandibules, en train de mordre tes antennes. Pas croyable, même à 2-3 fourmis, les 7 n'arrive même pas. C'est pour voir, c'est bizarre ça. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Voilà, il y en a 7 fourmis qui laissent la patte là. J'en ai la fourmi qui laissait la patte. Il reste encore 2 fourmis, une sur la mandibule. Ah, c'est 2 fourmis. Oh, tu es là. Il reste encore une seule fourmi. Rouge, des fourmis. Mais elle est revenue celle-là. Attends. C'est du cerise. Voilà. Je l'ai projeté à 20 milieux de là. À une qui se dirige là. Voilà. Maintenant je vais enlever celle qui est sur son flanc. Hein. Voilà. Elle lâche pas la mandibule. Elle ne lâche pas la mandibule. Et l'antenne, pas la mandibule. Oh putain. C'est pas facile d'être scientifique. Hein. Quand tu rates le coup de l'activité, c'est comme ça. Ah. Il y a une là. Qui immobilise, qui a mélangé et la patte et l'antenne. Voilà. Elle lâche pas d'une semelle. Elle lâche pas l'antenne d'une semelle. Vous voyez? Elle lâche pas l'antenne de l'insecte d'une semelle. Mais je vais l'en débarrasser parce que là, elle doit rentrer pour s'occuper de sa famille. Hein? Ah. Il y avait la fourmi là. Il y avait la fourmi. Une seule fourmi qui. C'est incroyable quoi. Une seule fourmi qui arrive à immobiliser un gros insecte qui fait peut-être même 4 à 5 fois. Sa taille, hein? Je ne parle même pas du poids, hein? Pas seulement de la taille. Ah, mais enfin, j'ai. Ah, l'insecte en va, court vers sa maisonnée. Voilà, ok. Aïe! Ah, et voilà, bon, ce fut moi, un documentaire réalisé par mes soins. Voilà, un coup, elle s'en va. Tout droit chez elle. Ne remercie pas, hein? C'est la vie. Ok, donc, juste pour vous dire que le monde animal paraît cruel, mais c'est la survie. Il n'y a pas de cruauté dans la nature. Ok. Bye bye, petit insecte. Et surtout, évite les fourmis rouges à l'avenir. Vous avez compris? Ok.